Minasan, bien le bonjour. Alors aujourd'hui, une spéciale, émission spéciale, j'avais déjà mis dans Monster Moments sur YouTube. Voilà, un spécial Leiji Matsumoto. Et je pense que c'est important de le faire. J'ai préparé plein de choses à vous dire comme ça dans ma tête. Et puis finalement, c'est au moment où j'ai envie de les dire que ça sort parfois. Et donc, bref, disais-je, c'est une émission. Assez spécial puisque j'en avais parlé dans Monster Moment et donc ben voilà, notre dernier invité Emmanuel est entré dans la salle d'attente. Je vais le faire patienter parce que franchement là, il arrive vraiment vraiment en retard. Et donc j'ai perdu mes trucs, donc je vais vous demander quelques instants parce que notre dernier chroniqueur est arrivé impromptivement. Tu peux lancer l'hommage, non? Tu avais fait un truc brève. Non, l'hommage, c'est juste la photo que j'ai mis Ah oui, pas, ok, d'accord. parce qu'il fallait que je trouve un nom dessus. Donc là, je vais l'admettre. Donc je vais demander de... Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous. Mais on va faire en sorte de Désolé, vous mettre désolé. deux secondes, mon ami, parce que là maintenant t'es vraiment t'es pas au bon moment, quoi. Donc Il faut te caser dans voilà, les cases. voilà, te caser dans les cases. Donc je suis obligé de faire ça, comment dire, en live. J'adore ça, franchement. Désolé, désolé à tous. Voilà, je ne donnerai pas de. Ce qui fait, ça a tout décalé, notre ami. Bah, je la frite, te pardonne, hein, Je donc la ferai, c'est bon. lui Merci. pardonne. Ah, c'est toujours ça de gagner. Moi, je le tuerai plus tard. Hein. Donc, merde, il est passé où mon background? Il est là, voilà. On va J'espère que tu t'éclater, aimes le mec. fouet. On va Ah oui, t'éclater. ah oui, ah Oh oui, oui. j'aime le fouet, oh oui! De Ah, tiens, Paul, qui est là. mais de Paul Prédo. À qui se souvient du fouet de Paul Prédo, la publicité, hein, franchement? Ah là 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 C'était quoi, là. du jambon ou là? C'était du Ouais, c'était jambon, ouais. jambon. C'était du Putain. halouf, comme dirait l'autre. C'est ça. Donc, C'était pas le jambon star? Non, non, c'était Madrange, Ah oui, le jambon Madrange, star. avec Ah, Véronique Jeannot. il faut que tu révises tes classiques, mon ami. Ah, excuse-moi, je sais déjà qu'il y avait de la pub pour des jambons. Donc... Mec, Erta, attends. avec le gamin, tu sais, Ah avec le bah, petit moulin qui Erta, fait dans la voilà. flotte. Puis il y avait tout, les saucisses, Voilà. Vous voyez comment on il y rend avait hommage tout. à Leiji Matsumoto en parlant de jambon? Ah bah, en fait, j'ai pensé Dernièrement, lui, il avait exactement à parlé ça de steak. au moment où tu l'as dit. Là, Bah, alors, c'est assez génial parce que là. lui avait Attends, parlé de attendez, steak il n'y a attendez, pas attendez, longtemps. c'était important. Donc, Oui. Emma, est-ce que tu as ton mot signé de la maîtresse pour ton retard? Ou de la maman, c'est pour ton retard, là? Qu'est-ce qui s'est passé? Dis-nous tout. Eh ben, je suis pas réveillé. Oui, alors oui, je ne suis pas réveillé, c'est pas entièrement faux. Je me suis rendormi plutôt sur le mot correct. Ah, d'accord. Oui, ça arrive. D'accord. Je me suis D'accord. rendormi simplement parce que hier, vous entendez un peu ma voix qui est un peu Alors cassée. attendez, attendez, maintenant que là c'est bon pour une. Voilà, on y est. On va faire la transition. Attention, 1, 2, 3, magie. Voilà, c'est beau. Voilà. Ah, ouf. Voilà. Je me sens Bon. Salut à mieux. tous. Désolé, vous voyez, j'ai une tête de merle Bah, en frit, tous. mais c'est pas Tout le monde, normal. parce que tout le monde T'as a. On confirme. une super tête d'Emma Chan, c'est dingue. Ouais. Et je te dis pas, en plus, Ah avec la luminosité chez toi, en plus, ça empire les ouais. Alors choses. là. Attends, j'améliore encore la luminosité. Non, parce que Ah! là c'était dans le ton, si tu veux, tu vois, franchement. Et encore avec ta caméra, elle fait Ouais, l'ajustement automatiquement, elle fait le automatique, donc ce qui fait que contraste. ça fait la même chose. Oh, un peu mieux quand même, Non, il est plus non, mais grisâtre. On comprend quand même, simplement, d'accord. hier soir, on a fêté dans un karaoké avec des copains Ouais. jusqu'à très tard. Enfin, Et on on n'a a fait vite une pas si soirée mal, en hommage. franchement. En hommage à Leiji, on n'a pas arrêté de chanter des trucs de Leiji, Ah là là, entre autres, d'accord. hein, Oui, jusqu'à alors, très tard. c'était quoi alors que Sur tu as chanté Paris? alors? Qu'est-ce que tu as Ah, chanté? évidemment, on a chanté du Galaxy Express 999, du Alors, Yamato. Le attendez. Sayonara Galaxy Express, Non mais Sayonara. là, Sayonara. à ce moment-là, vas-y, on t'écoute. Là, non, là, je. Switch, switch. Attends, là. Non, Sayonara. Sayonara.
Memories. Oh, On a chanté Nidashida. ouais. Voilà. D'accord. Galaxy Express 39. Bon, Non, d'accord. non, 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 on a chanté la version de la série télé, pas la scène du film. Ah bah oui, Galaxy Express mon 1999. ami est. Da Arrêtez les enfants, on va se faire striker là. Ah oui, sur du AB Production. Ah ouais, bah surtout sur du AB quoi. D'ailleurs, on va commencer vite parce qu'en fait, il Oui, se passe allez, plus rien. ouais, On peut faut en avance. commencer là maintenant. Et je vous rappelle que je pars à 9h30. Voilà. Super. Et c'est pas ma faute, hein, c'est pas moi qui suis en retard. Allez, Là, go pour les une fois, mecs. là, pour une fois, je suis en retard. T'inquiète, on Mais a c'est la parlé de première fois que je suis en retard. jambon, on C'est a vrai, c'est parlé. vrai. Allez, oui, c'est vrai. Allez, on y Les va saucisses, avec c'est les parti. brèves de geek. On y va. Et maintenant, on retrouve On va les revenir sur le brèves thème de de tantôt, hein, je geek. vous rassure. Hein, c'est juste le début qui est un peu foutraque. Bon, alors, qui Parle c'est? pas pendant le jingle. Voilà. On ne parle pas pendant le jingle. Ah oui, c'est Alors, vrai, il y a le jingle. voilà. C'est toi qui le sais en plus, c'est ça qui est énervant. Allez, première brève, on va faire vite, mon ami. Allez, c'est Les petites cerises. parti. La sortie de l'animé plus tôt. Alors, plutôt qu'elle se sait, c'est pas du tout les chiens de chez Disney ou quoi que ce Pardon. soit. Non, pas du tout. C'est la réinterprétation de Astro Boy d'Osamu Tezuka par Naoki Urasawa. Donc, 20th Century Boy, Monster, j'en passais des meilleurs. Donc, ça va sortir sur Netflix et c'est produit par le studio M2 de Madhouse Oui. et Tezuka Productions. Donc, voilà, ça a Alors, l'air assez chouette. ouais, moi j'ai des petites infos dessus. Alors, tout d'abord, c'est pas une réadaptation de, c'est une réadaptation de Pluto qui avait été dessinée par Tezuka. Attention, Ah, c'est c'est pas une ce que t'as réadaptation ou dit. une adaptation? C'est une réadaptation du manga à la base par Urasawa qui a été adaptée en animé. Alors, il faut savoir que le studio M2 travaille dessus depuis que le studio M2 existe en 2015. Ah oui, quand même. Le character designer, je ne sais pas s'il est annoncé, mais c'est celui qui s'occupe de tous les chara design de Monsieur Urasawa, c'est Monsieur Je... Fujita. C'est ça, donc c'est celui de Monster et de Monsieur etc. Monster, celui de toutes les œuvres de Monsieur Urasawa, On en avait parlé c'est. d'ailleurs sur l'émission d'avant. D'ailleurs, les trois Oui. monsters sont en dessous de moi Ah! là. Mao. Waouh! Il est bien réveillé, notre Emma. Je sens que je vais Le... m'amuser. Je vais en profiter. Non, je vais peut-être pas en profiter parce qu'ils sont capables de se retourner contre moi. Mais c'est une série en 3D cel-shading ou c'est une série en 2D? J'arrive C'est une pas bonne trop question, à. ça. Ça a l'air d'être de la 2D avec de Ouais. la 3D comme d'hab, quoi. Alors, Ouais, mais c'est pas c'est de la un petit 3D peu cel-shading CG, quoi quoi. après. Hein. Moi, ce que D'accord. je sais, connaissant Maruyama, Maruyama aime les nouveautés, mais seulement quand elles sont maîtrisées. Donc, D'accord. ce sera que du travail très maîtrisé, ce sera très beau. C'est très simple. Je pense que ceux qui ont aimé Monster, la série animée qui était sortie chez Madhouse à l'époque, seront dingues de cette série parce qu'elle sera qualitativement à notre époque, mais sur sa construction, c'est clairement C'est du au bon même niveau, quoi. quoi. Ça sera Et ce qui m'étonne surtout, un peu, ce c'est sera. que ça. Pardon, vas-y, Oui. vas-y, je t'en prie. Non, ce qui m'étonne plus surtout, c'est que tu me dis que c'est une réadaptation du manga et pas une adaptation. Je trouve ça un petit peu bizarre de vouloir réadapter, faire autre chose avec le manga Non, après. parce que à la base, le manga de Osamu Tezuka Oui. existait. Oui. Urasawa a fait une réadaptation de ce manga Oui. qui s'appelle aussi Pluto. Et de cette réadaptation, ils ont fait parce que il n'y a jamais eu de dessin animé de Pluto. D'accord. Et en fait, là, Et c'est vraiment que. l'adaptation à partir du manga de Tezuka. Non. Non, ah, c'est d'accord, Les j'ai un peu deux. compris. Les deux, Non, ouais, c'est à partir du manga de Urasawa. Si de Tezuka ça. Production est si Tezuka Production à l'intérieur, c'est que Pluto, c'est Tezuka, à la base. D'accord, C'est d'accord. Tezuka ou Urasawa ou les deux? C'est parti, Yota. Ah, pardon, Sur un, on va MG. lire sur un. Ouais. MGonline.jp, salut à tous, désolé, j'ai été fêté, oui. Oui, Non, bah c'est mais Emma, il est hein, nul, je mec. sais, mais Il est bon. nul à chaque fois. Oui, Non, c'est bien, mais tu à lis chaque les fois, commentaires de lui. à chaque Ce fois. que j'aime bien, non, c'est pas À ça en chaque fait, c'est fois. surtout c'est salut à tous, désolé, j'ai été fêté.
J'ai Ouais, défaité. t'as été fêté, mon gars. Donc Ouais, c'est. c'est bien. C'est Ouais, et bien. tu pouvais t'arrêter là. C'est bon, c'est. T'as donné toutes les Voilà. infos. Et donc, allez, On est d'accord on va avec passer ça. rapidement à la deuxième Ouais. brève, si Bah, vous nous pouvez avoir. suivons la deuxième brève suivante, blablabla. Oh! Monsieur, donc Mamoru Oshii, ben, Mamoru? se met à maintenant à. Oui, Mamoru, tu es là, Mamoru. Voilà, c'est vrai. Bref, pour ceux qui. Hein, pour les moonistes, voilà. Donc Mamoru Oshii, ben, maintenant, il enseigne ses techniques sur une plateforme de formation en ligne qui s'appelle Naro. Donc, y a, Il a besoin ces d'argent. vidéos sont sous-titrées en anglais. Il y a une vingtaine de vidéos. Il y en a pour 5 heures. Ça va vous coûter 75 $ d'écouter ce qu'il a à dire. Donc, en gros, son truc sera axé sur les formes créatives de méthodes de développement et de récits de la vie de non, et de récits de la vie de réalisation dans l'industrie de la pop culture. J'avais bien lu. Hey, pas Voilà, mal. donc c'est des masterclass, je pense, de Mamoru Oshii qui nous file un peu tous ces tips pour comment devenir un, voilà, Un grand réussir dans la pop karatéka. culture. Pardon? Un grand Ah, je sais pas, karatéka. ça, c'est. C'est pas ça. Il m'a pas l'air, Ça hein, n'a pas l'air. c'est. Bon. Si tu veux savoir que Ok. c'est exactement ça, il faut que tu participes en payant 75 $. Voilà. Et c'est en VO STFR. Non, ça m'étonnerait. Non, non, anglais. Voilà. Anglais, Ah, les c'est de l'anglais. amis. Ah bon, voilà. Bon, faut être Il sait parler anglophone. anglais, Mabolushi? Ah, si c'est Ouais, pas le toi, on cas, t'entend, peut-être toi. que c'est quelqu'un qui le traduit Voilà, peut-être, voilà, ouais. de ça. Ah oui, Oui, bah, c'est certainement. Voilà. sous-titré, c'est. Ah, Oui, c'est bien pas un sûr. live, c'est pas un live, Ok. c'est enregistré. Non, non, Et c'est pas je. des lives, c'est des C'est des vidéos. vidéos, voilà. C'est on-demand, ouais. D'accord, ok. C'est quelque chose C'est du à. on-demand. Emma, t'as quelque chose à ajouter sur cette news ou pas? Alors, moi, je suis un peu étonné qu'il enseigne. Ah. Parce que c'est pas vraiment Le sa genre de gars? réputation. Ah, C'est d'accord. pas vraiment sa Mais réputation. je crois, il y a des gens qui ont fait des masterclass quand ils étaient venus dans des salons. Je crois que Plus Katsura gentil, avait Emma. fait ça. Ouais, mais pas que Katsura, mais. Non, mais T'en as certes. j'ai ça en tête là T'en maintenant. as. T'en as. Masterclass de T'en as. Ouais, non, mais Katsura, quoi. Ouais, il elle va nous était apprendre à donnée faire des à. vidéo girls. Il y a Non, des masterclass de Koike Kazuo, mais. c'était génial. Oui, Oui, c'est ce que. Kazuo Mais Koike peut-être, mais. c'est Koike ce Kazuo, c'est pas que je dis, c'est pareil ce que je aussi. Hein. dis, Oui, c'est ce que je dis. mais. Pourquoi pas lui? C'est ça, c'est pourquoi pas lui. Bah, Allez, c'est on. Kazu Katsura, tu sais, genre non, ce n'est pas Katsura, je m'appelle Batman, tu vois, voilà, bon. Batman On sait, avait hein. la batte. Alors, Voilà. tout le monde sait, tout le monde sait, voilà. Allez, on va passer à la troisième brève, hein, parce Ouais, que. peut-être, Voilà, exactement. hein, tôt. Alors, il y a un nouveau trailer pour le film de Psychopasse. Ouais. Alors, Non, j'évoque psychopathe. ce. Pardon? Oui, aussi, Psychopathe. ouais. Non, Ouais, mais je ne pense que relève c'est un pas, ne bon jeu relève de pas. mots. C'est du bon jeu de mots, effectivement. Voilà, j'en reparlerai pour un D'ailleurs, dollar. c'est une. Voilà, c'est une licence auquel je me mets très bien. Ah, mais c'est Ouais. Je suis bien. un peu en Tu retard n'as jamais dessus. essayé? Ah, mais Tu n'as j'ai. jamais Bah essayé non. Psychopathe? Et non? Et Alors, non? pour un Comment psychopathe ça? d'emmener des psychopathes, c'est pas normal. Je suis moins fan de Alors. la dernière série, moi, mais bon, après, c'est. Bah, Ouais. je suis d'accord avec toi. La dernière saison, elle m'a moins. Par contre, le caractère designer est génial. Je suis d'accord. Bon, ensuite, tu as Sekito Mokazu qui a la voix du héros. Hein, déjà, donc ça, c'est une preuve que c'est plutôt de la qualité de base. Parce qu'il a vraiment fait. Il choisit bien ses trucs, Sekito Mokazu. Et l'autre chose, c'est quand même, c'est le studio IG. Et en général, le studio IG, nous pond rarement des choses mauvaises à voir. Il Et y a à au boire et à scénario, manger chez IG des fois, hein, quand même. Hein. mais au scénario, surtout, c'est toujours notre cher Urobuchi. Ah, bah, Donc, tu c'est sais pas qu'il va y le avoir même. du sang, de l'échiquier et du molar, comme on dit. Moi, c'est ça qui m'embête en fait. C'est Est-ce que c'est final? ce genre de Non, série qui sort. c'est pas une série pour toi. C'est pas une Oui, série. parce que franchement, l'hémoglobine pour l'hémoglobine, ça me. Ah non, 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 c'est. non, 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 non. non. Dans Psychopass, non. Dans Psychopass, c'est pas de l'hémoglobine pour l'hémoglobine. Non. Non, non. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce type de série-là, enfin, Psychopass en tous les cas, on est vraiment un peu comme plongé dans Ghost in the Shell aussi. Toi, le type de D'accord. réalisation, le type d'ambiance, le type Ouais. de non-fin, tu vois, c'est un peu cette Ouais, c'est ambiance-là. exactement ce dont C'est j'avais. utopique, c'est Oui. un monde, comment on dit, pas Ça se utopique, comment on ressemble. dit déjà, un monde dans ce Dystopique. monde-là. Dystopique, merci. Dystopique, voilà. Ouais. C'est Non, ça, mais oui, bah oui. ça se voit rien qu'à ce trailer, quoi. Donc.
Et, Bah, mais je... c'est la dernière série? Fini Ouais, la après, première et la finito? deuxième. La première et la deuxième. Bah, Providence, vu le nom, tu sais aussi, si tu te rappelles de la série, parce qu'on va pas trop dévoiler quand même, parce que la série est vraiment très bonne. Je pense que c'est le film qui va conclure les trois séries. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un peu quand tu vois, quand on revient sur Leiji Matsumoto, mais sur le culte, comment c'est, j'oublie son nom, Les le armes, ouais. Cosmo, Ouais, le le Cosmo Cosmogon, Gun, ouais. et tu as l'arme aussi qui est Cosmodragon. mythique aussi de Psycho-Pass, cette arme mythique qui existe en vrai en plus. Ils ont fait réussi à faire un jouet, enfin un jouet, une Ouais, arme une en réplique. réplique, fausse Une arme, une réplique. réplique, mais qui a les mêmes caractéristiques. Et c'est assez impressionnant à regarder, ça coûte très cher. L'arme coûte très cher, mais franchement, Elle elle est coûte devenue mythique cette arme aussi. 3-4 000 euros, je crois, de mémoire. Hein. Putain, ouais, c'est. Le laser lame de Hexor, il fait 17 millions. Mais voilà, tu vois, c'est aussi des armes Après, c'est quand mythiques de même assez. série, tu vois, qu'on n'oublie pas. Bah Il y a non. le laser aux lames, tu vois, il y a ce Le type Cosmo de. Gun et ce genre de choses. Le Oui. Astéro H, Bah, c'est tu peux le pas t'accrocher là, Cosmodragon, mais. il me semble, hein, dans Oui, Captain d'ailleurs, Armor. je l'ai acheté. J'avais acheté le Oui. Cosmo Dragon, donc l'épée avec le flingue. Était d'ailleurs, je crois, si, alors, si pas de bêtises, c'était celui d'Emeraldas. Et à cette maison, je l'ai payé 500 yens, c'est-à-dire rien. Et je l'ai retrouvé dans le magasin qui était Manga Distribution à l'époque. Et il le vendait 4 fois le prix, je crois. Ah ouais, mais Ouais, j'ai bah comme d'hab. c'était hallucinant. Je regardais ça, j'ai dit, Comme j'ai payé d'hab, ça comme d'hab. 500 yens. J'ai dit, bah Comme d'hab. attendez, là, il y avait du fric à se faire. Allez, on va Mais même parce que Voilà, voilà, donc c'est en tout le. cas, Ouais, je suis c'est. d'accord avec Joe Lafrite. Psychopathe, c'est un truc que je voudrais bien découvrir, moi, de mon côté, un de ces Non, quatre. si t'as pas, si t'as pas découvert, on t'invite fortement, je pense, Annie, Mélodie et moi-même, que tu ailles voir cette série. Tu peux te banguer d'un seul coup la saison 1. Par contre, la saison 2, il faut prendre le temps de la voir. Parce que sinon, tu vas louper des choses. Et la saison 3, moi, je suis d'accord avec animé. Ouais, je verrai tout ça Rien quand pour même, Iota hein, je direct, t'en démarre. mets Bah, pas. pour moi, Ouais, j'aime bien la Iota. fille, moi, Excuse-moi, personnellement, Iota. mais bon, c'est une question Il y personnelle. a un film aussi au Allez. milieu, faut pas oublier, il y a une transition. Il y a aussi un film entre la saison 2 et la saison 3 qui Oui. existe et qui est très très bien. Et c'est un peu mélangé, je crois que le film il est sur Amazon Prime, je crois. Ouais. Tandis que je crois que la série est sur Netflix, si je me Ah, gourre j'ai pas pas. vu, hein. Enfin, Et il y a. j'aurais commencé, hein, si j'avais vu. Sur Une Amazon autre. Japon, c'est tout sur Amazon, donc faut pas D'accord, bah trop le voilà. mettre. Peut-être que c'est tout est sur Amazon, mais je Allez. sais que ça y est Ah, quelque part. Sinon, tu as le coffret Blu-ray DVD qui existe, un gros coffret énorme. Peut-être qu'il est encore disponible, parce que moi je l'ai acheté sur Amazon, je crois, il me semble. Un gros coffret, ils ont fait une sorte de boîte, tu sais, où tu mets les munitions, tout ça, un peu dans cet Allez, esprit-là, on va d'accord. dire. Voilà. Où tu as, bon, t'as un go pas un gobelet, hein, comment on appelle ça? Tu sais, quand tu veux boire un truc, tu en vadrouilles. Oui, Mince. une gourde ou un truc comme ça. Une Une gourde, mais un gourde. peu une gourde un peu type Oui. militaire, des petits trucs en plus. Pour Et frayer. t'as les deux saisons. Non, t'as la saison 1. Non, t'as les deux saisons dedans, je crois, il me semble. De C'était mémoire. chez qui Voilà. déjà le coffret? Je crois que c'est Ou casé. c'est casé ou c'est Anime Limited? Enfin, c'est l'un des deux, je Non, crois. je crois que c'est casé. Anime Limited, je suis pas. Non, Je c'était. pense pas que ce soit Anime Limited. Attends, je vais dire ça. Le temps de si vous voulez parler d'autre chose, je. Ok, bah on Ouais. va passer à Bah on la page va suivante, bref la sur bref dernière. suivante donc Ça bah, là tombe bien, c'est fait on pour. va déclencher notre spécial Eiji Matsumoto sur cette brève d'ailleurs. Donc le film de Galaxy Express, alors je suppose que c'est le premier film qui va passer en Exact. 4K, ça va passer en 4K le 26 février sur la chaîne de Toei. Donc c'est en hommage à Eiji Matsumoto, bien sûr, c'est réalisé par Rintaro. Je pense que, est-ce que c'est possible, Emma, qu'ils enchaînent avec Sayonara, Galaxy Express? Alors, je pense. Alors, Euh, a été fait en 4K, je pense. alors, c'est Kana pour je sais pas. Psycho-Pass, mais vas-y. Ouais. Ouais, tu ne sais pas, t'as pas d'Intel. Bon, on Je ne espère sais pas, qu'éventuellement. il n'y a pas de détails Quand on parlait éclair. de. Pardon, Bon, vas-y. ben, on espère, Quand on parle on espère qu'éventuellement ils enchaîneront sur. Quand on parle de choses mythiques, le générique de fin de ce film-là est mythique. Il a été Ouais. repris par un nombre incalculable de chanteurs japonais, de groupes. Je me souviens de la version Animelo, concert Animelo qui se passe pendant l'été. Ouais. Le groupe là le boys band, comment il s'appelle? Ah, j'ai un trou. V2 Non, ils sont ou beaucoup plus hasard. que ça. J'ai un trou. Et les Akebi, c'est pas les Exile, Akebi qui font Exile, ça. C'est ça, hein? Exile, ouais, Exile, ouais. Exile. Ah oui, Exile. Exile en effet, en plus, ouais. Celui-là, Excellente. franchement, il est magnifique. Il Excellente, ouais. y a des trucs comme ça qu'on n'oublie pas. Et ce film-là, d'ailleurs, n'oubliez pas, chers amis, que nous avions la sortie casée.
Mais c'est bizarre parce que là, Avec le tu mets le t-shirt. trailer de. Tu as C'est la l'air de version. mettre le En fait, trailer c'est la de. version. C'est le trailer de 4K Ouais, de la parce que je vois Toei. Sayonara aussi. Je vois Sayonara Galaxy Express Alors là-dedans. peut-être que l'on fait avec, je ne sais pas. Ouais, je pense qu'ils Peut-être. ont Ou alors remasterisé les deux Sayonara, c'est films juste et. que c'était dans le trailer. Voilà. Mais alors, pour te dire, j'ai aussi le fameux coffret VHS Collector de Voilà. Galaxy Express. Avec le t-shirt, tu l'as encore t-shirt? Oui, Et avec toi, le et t-shirt et moi le aussi. jeu de Je cartes. aussi. Ah, non, j'ai plus le t-shirt parce que je l'ai Ah porté. oui. Mais Tout le monde. j'ai encore le jeu de cartes. Attends, encore le jeu de cartes, ouais. Moi Ouais. aussi, moi aussi je l'ai et je remercie le pote de Kazé qui me l'avait donné. Édition Voilà. limitée. Merci, c'est Et gentil. attends, moi j'avais le 11, édition 11. Je sais, je Ah l'ai ouais. perdu et ça m'a énervé, quoi. Je sais pas Ah du bah tout oui. où il est passé. Il Alors, faudrait, tu veux que j'aille le chercher pour le montrer un oui, peu à vas-y, ouais. nos. Non, 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 Allez. non, 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 c'est bon. Ouais. Vas-y, vas-y, maintenant que t'es parti. Surtout Non, que mais. non, parce que c'est à toi d'enchaîner, Yota, mais bon, C'est pas non, à grave. part ça, tout va bien. De toute Regarde un peu ce que j'ai façon. fait comme effet. C'est pas un effet magnifique, ça, hein? Bon, les brèves, c'était tout pour les brèves, les C'était amis, tout on pour les va pouvoir brèves, voilà, enchaîner. exactement. Et puis. Merci, merci, Merci. bonsoir. Non, Merci. c'était Salut, à la une prochaine, hein, tu jolie peux dernière partir. brève, et Voilà, c'était c'est une important. jolie dernière brève de notre cher. Justement. Ouais, attends. Ça ouvre pour ouvrir Bon, bah, ce c'est petit bon, dossier. l'émission est terminée, nous allons pouvoir rendre l'antenne. Ouais, Ah, ah, bah, super. voilà, ouais, voilà. Il Ça, est beau par celui-là. contre, Hein, j'ai toujours gardé. ouais, il en est un, ouais. Quand je passe chez toi, il faudra que je prenne un sac vide, moi. Ouais. Et donc, t'es numéro C'était 83, à moi. 83, voilà. Et t'avais Alors, quoi, dis? Pour et juste pour prévenir les dire. auditeurs, il n'y aura pas de news aujourd'hui. Enfin, les Ouais. news ont été mis uniquement en Voilà. Si tu brève. permettais, si tu Parce que permets, voilà. voilà, j'allais justement y revenir là-dessus. Comment on va faire un hommage à notre cher Eiji Matsumoto? Ce ne sera pas vraiment des news, effectivement. On va commencer par ça. Alors, je ne sais plus où je suis, moi. Voilà. Hein, si c'est là. Ah ouais. Yota. Ah, tac. On va faire tac. Allez, ça a Ok. commencé par notre ami Yota. Alors, voilà. Et je suis où, moi? Je ne sais même plus. Voilà. Alors, Tu n'es pas attention. là, on s'en fout. C'est bon, vous êtes là? Ok. Ouais. Attention, on va lancer le jingle. Et on... 5, 4, 3, 2, 1. Jingle. On passe à l'actu avec l'Oya Voilà, alors c'est vraiment pas. Là, c'est le jingle pour mettre le jingle, mais c'est vraiment pas des news. On va revenir sur certaines œuvres de Leiji Matsumoto. Et celui qui va commencer, qui va s'y mettre. Alors, c'est qui, Yota, qui s'y met en premier? Attends, je suis pas sur le conducteur là. Voilà, Tout. t'as vu, Voilà. Et voilà. le mec, enfin, Le conducteur, sérieux il ne d'Oya regarde même Yutaku, pas. voilà. Bah, pour la peine, c'est Bah, toi. c'est moi. Non, parce que c'est Voilà. écrit que c'est moi. Voilà. Non, mais j'étais sur la page de Psychopass où je t'allais voir où c'est Kana Home Video qui sort le Bah, coffret, le voilà. fameux. Bon, bah, ouais, c'est Voilà. bon. On passe. Allez, on va faire. Donc, je t'en prie pour le premier Oui. hommage. C'est quoi? C'est donc V2 Panzer. V2 Panzer. C'est la version 2, Alors, en V. fait. La version, oui, si tu veux. Alors, c'est une édition donc du coup de Kana, encore une fois. Voilà, Kana qui Ouais. édite la plupart des éditions enfin, de Leiji Matsumoto, des mangas de Leiji Matsumoto, puisqu'ils nous ont sorti aussi. On va t'attendre parler du coup. Je vais les ai à la main, je vais les montrer juste le temps d'eux. Ah, parce que c'est lourd, c'est des pavés. Voilà, et oui, bah, le Queen Emeraldas, c'est pas dans l'ordre. Hein. Queen Ouais. Emeraldas. Et bien entendu, alors lui, t'es à l'envers, bien entendu, ça c'est cool. Toc. Et Ah le bah tu. fameux Capitaine Albator dans un omnibus, un intégral. Ah, Ouais, ça il n'y a que c'est. 5 volumes déjà, les Bunko que Les, j'ai, si, que si, j'ai, tu, moi. ouais, si tu le regardes dans. Si tu le lis dans le bus, les mecs ils pensent que tu es en train de lire la Bible ou quoi? Est-ce que c'est un peu ça? Parce que c'est quand mais tu même. sais. Franchement, c'est énorme. C'est des pavés, hein. C'est des Ah gros ouais. pavés. Tous disponibles encore une fois, d'ailleurs. Dans la publication de Kana pour rendre hommage à Leiji Matsumoto, il vous mettait en lien dessous, effectivement, les deux œuvres qui sont sorties. Alors du coup, ce qui me fait penser peut-être que les deux autres œuvres qui sont sorties, c'est pas chez eux, il faudra que je vérifie, c'est des histoires courtes qui sont sorties de Leiji Matsumoto. Alors j'ai plus le nom en tête, il faudra que je regarde. Voilà, en tout cas, donc V2 Panzer, donc c'est la dernière sortie chez Kana. Qu'est-ce que Dans... c'est? Alors c'est spécial. Oui. C'est une œuvre de 1994. Oui, c'est récent en vrai. C'est un intégral,
hein, dans un seul tome, du coup, voilà, Ah bah, il n'est pas effectivement. énorme pour un Voilà. intégral celui-là. Ben non, celui-ci est pas énorme, il fait Bah, quand 372 pages quand on même. regarde les deux autres, c'est voilà, c'est des pavés. Oui, mais là, ce qu'il y a eu, je pense qu'il doit y avoir 5 ans C'est le Seigneur des de Anneaux, les autres. parution. Mais ici, il y a une conclusion, c'est-à-dire qu'il faut savoir, n'est-ce pas? Parce que dans le monde de Eiji Matsumoto, c'est compliqué d'avoir forcément des Ouais, c'est conclusions. très compliqué. Mais parce qu'il n'oublie pas qu'il utilise le Tokinoa, donc la boucle du temps, où ces personnages sont atemporels à travers toutes les histoires atemporelles qu'il crée. Voilà, ouais. Et donc, Donc. ben, ça se passe normalement. Je l'ai terminé le tome hier pour vous dire parce que je ne l'avais pas terminé de le lire. Parce que c'est pas un, c'est l'Eiji Matsumoto, c'est pas un manga qui se lit d'une traite. Surtout quand c'est des gros pavés en général, c'est mieux de les lire par histoire, par chapitre en réalité et de temps en temps, je veux dire, parce que c'est un manga qui a un aspect un peu ancien. Mais comme il date de 1994, il a des assistants et il lui permet d'avoir quelque chose de plus moderne. C'est-à-dire, par exemple, à l'intérieur graphiquement, je sais pas, oui, tu montres des images, voilà. Voilà. Le dessin des personnages, c'est Leiji Matsumoto. D'ailleurs, j'avais vu une interview où c'est lui-même qui en parlait. Je crois que c'est celui de Lina là, qui a été diffusé sur Twitter. Il me semble qu'en envoyé spécial est venu chez lui. Où en fait, ce sont ses assistants qui font les détails. En réalité, lui, il fait que dessiner autour. Et là, par exemple, il y a des Panzer, donc il y a des grosses motos, mais il y a aussi carrément des tanks, tout ce C'est qu'il y des a. Mais panzers. voilà, mais je, oui, voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est graphiquement, c'est très léché. Tu vois, par rapport au dessin de Eiji Matsumoto, il y a une sorte de Bah, sur les mechas, il a différence. toujours été bon, hein, les Eiji Matsumoto, il a toujours fait des trucs de ouf. Hein. Ouais, mais là, on est sur un niveau très haut, donc je ne sais pas. C'est pour ça que je te dis, peut-être que ses assistants sont aussi dessus pour ce genre de truc, ou tu vois, c'est voilà, ou peut-être que c'est lui, donc tant mieux, voilà, si c'est lui. Mais c'est un petit peu, voilà, un petit peu différent. Et donc on est dans ce monde-là où on accompagne cette jeune fille qui voyage pour terminer une course. Alors je vous la fais très courte hein, au niveau du scénario. Terminer une course qui lui permettra de venger ses parents qui sont morts en fait pour la liberté. Là aussi, en gros, mais c'est pour ça que le scénario est un peu très simple en lui-même. On a un ressuscité, on a un mélange de diverses œuvres en fait de Leiji Matsumoto, où en fait elle est accompagnée d'un jeune homme et d'un petit bonhomme qui s'appelle Daiba et qui ressemble beaucoup à Tetsuro. Déjà, mais vous allez me dire, les personnages ressemblent tous plus ou moins C'est ce quand que on j'allais suit, dire, oui. effectivement. Et un jeune homme qui se nomme Sherlock. Ouais. Avec la Ok. tête de Watson. Herlock, une tête de mort sur un bras, hein, sur son Ah vêtement. ouais. Voilà. Ah Mais ok, c'est pas Herlock, Sherlock. c'est pas, tu Captain vois. Sherlock, ouais. Il aime bien réunir ces personnages, il leur change de nom, mais ils ont une toute autre aventure, un tout autre univers. Et ces personnes-là, on ne sait pas pourquoi, au départ en tous les cas, ils n'apparaissent que la nuit. Donc ils ne peuvent l'accompagner dans sa course que la nuit, dans un sidecar qui est à côté de la moto. Parce que la V2 Panzer, vous savez, c'est les fameux sidecars comme dans Indiana Jones. Et la dernière Ah croisade, vous savez, où il y a oui. le sidecar avec les militaires, enfin les militaires, les nazis, mais aussi après le père de Indiana Jones et lui-même. Et il voyage comme ça, de jour comme de nuit. De jour, elle est toute seule pour se défendre. Et de nuit, il l'accompagne. Alors, il est là pour entretenir la machine, pour la guider un petit peu, pour l'aider. Parce qu'eux aussi, ils cherchent quelque chose. Bon, mais ils ne le disent pas. Et on suit donc ces personnages qui veulent se venger d'une personne. Et on le voit assez vite qu'il y a, bizarrement, le corps de la mère de l'héroïne et il veut emprunter sa tête. Parce qu'il va avoir un Donc, corps dit parfait, mais c'est un there peu plus can be profond. only one. C'est à la fois un peu plus profond et on est un petit peu déçu à la fin du dénouement qui se fait comme ça. Il n'y a pas une vraie confrontation, mais après, c'est un peu dans l'univers de Leiji Matsumoto, c'est un peu ça. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de grosse explosion. Enfin, je sais, il y en a, il y a des explosions, tu vas me dire. Mais de quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Non, je lis ce que écrit Joex a écrit une bêtise. Oui, parce que là, franchement, Oh, c'est un marchand en France, Galaxy est-ce qu'il Express. veut Hein. parler de la série? Est-ce qu'il veut parler de... Peut-être que toi, Parce t'as que pas... ça a marché, ça a marché. Peut-être parce qu'il est trop jeune pour comprendre. Peut-être. Alors, juste On pour reste au plus. Panzer. Voilà. Après, on pourra en parler, hein, de toute Bien façon, mais sûr. Bah, enfin, ce sera je Raoult vais qui en parlera. l'aborder, voilà, c'est ça. Tu Alors vas le voilà, saborder. Bon, hé, chut.
Donc, en fait, c'est une œuvre quand même qui est très très sympa à lire, franchement. C'est un peu plus moderne ce qu'on a pu lire avant autour de Herlock, Queen Emeraldas, qui c'est très, c'est un peu lourd dans l'esprit. Ici, c'est un peu pareil, mais c'est très léger aussi, c'est très naïf. C'est-à-dire, ils visitent des villes aussi sur leur parcours, mais ces villes-là, en fait, à la fin, c'est que des destructions. En fait, soit ils n'ont pas existé comme des fantômes, soit ils s'auto-détruisent eux-mêmes. Parce que ils comprennent pas dans le monde qu'ils vivent, ils vivent dans le monde passé, ils vivent pas dans le futur, et ils le comprennent pas, donc ils disparaissent. C'est très naïf, hein, encore une fois, comme Leiji Matsumoto sait le faire avec ses différents personnages, et on peut adhérer comme ne pas adhérer à ce type d'histoire, et se dire, oh là là, c'est un manga de vieux, j'y comprends rien, c'est nul. C'est vrai, hein, ça peut faire peur aux plus jeunes. C'est un avis très perso. On comprend la nostalgie qui ressort de l'œuvre. Voilà, mais derrière, il faut aussi qu'on puisse s'accrocher à ce qu'on lit, et c'est très compliqué pour une jeune génération de lire Est-ce que ce c'est pas manga. un peu lourd au niveau de l'histoire à ce moment-là? C'est ça que je suis en train de me poser. Parfois ça l'est, Ouais. franchement, Parce parfois ça que peut l'être, c'est ce que suivant les tu fais, c'est chapitres. voilà, c'est ce que tu fais ressortir un petit peu Ouais, par de tout ce exemple, que tu il dis. y a un chapitre, alors je dévie, enfin je donne Non, oui. un petit spoiler rapide, mais c'est pas un spoiler tout à fait, mais le Sherlock rentre dans un avec les personnages rentre dans une sorte de labyrinthe de la mort entre guillemets, et ils arrivent dans un endroit où en fait il y a la petite amie de Sherlock, mais elle doit rester là, elle veut pas en sortir, mais on ne sait pas pourquoi. On sait qu'ils s'aiment, mais il faut qu'elle reste là, mais on ne sait pas pourquoi, on comprend pas pourquoi elle est là, et peut-être qu'elle restera toujours là, et c'est un peu bizarre de parler de ça sans comprendre qu'est-ce qui tourne autour de ça, pourquoi est-ce qu'elle veut rester là, et on ne l'explique pas. Et en gros, pour moi, le chapitre ne sert à rien à part dire il a une petite amie, le personnage. Et c'est un petit peu dommage parce que parfois, c'est ça, c'est des petits personnages qui apparaissent pour vite disparaître au final, sans qu'on sache pourquoi ils étaient là. Bah, c'est un Et peu qui comme n'apportent rien. Ils n'apportent rien à part le fait de savoir peut-être que c'était sa petite amie. un peu comme dans le film d'Harlock, de 4, où tu as la petite amie d'Harlock qui dit: non, je veux rester sur ma radio, alors au lieu de se barrer C'était un avec. peu Ah non, mais bizarre. Non, non, là, elle a une. Elle Elle a a un un peu rôle, plus je pense, quand légitimité, même. je suis d'accord, mais ça me fait penser un petit peu, il y a une C'est la voie à la synchronisation. liberté. Elle veut être la Oui, voie à la liberté ouais. jusqu'au bout, jusqu'à la toute fin, Oui, je pour que sais. les gens ils comprennent le message. Ça se comprend. Est-ce que. Là, il y a divers moments. Ces personnages qui sont Que ça sympatoches, soit et oh, il est expliqué ou sympa, et puis pas, que ça finalement, soit il les fait expliqué. mourir très vite. Alors, il les fait mourir de manière dramatique, triste, mélancolique, nostalgique. Mais ils ne servent à rien là-dedans, par contre. Voilà, c'est mon seul défaut sur ce manga-là. Alors, c'est un Leiji Matsumoto, donc c'est très intéressant à lire quand même, malgré tout, déjà pour l'œuvre en elle-même et pour l'auteur. Et Mais c'est pas. Comment? les thèmes abordés. Les thèmes. Et les thèmes abordés, effectivement, surtout à la fin, il y a un petit cliffhanger à la fin qui fait qu'on comprend dans quel monde on est, en réalité. Je dis bien en réalité. Voilà, et. Ah, tu dis, ah! D'accord, ok. Mais alors? Voilà. D'accord, Donc, il d'accord. faut savoir avec cette édition, là, je vous ai mis cette couverture. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, hop, en fait, il y a une double couverture. Vous avez ici la version française. Ah, zut, hop, hop. Voilà. C'est une version française. Alors, après, je sais pas si aux Ben ah, c'est celle merde. qu'en fait qui était qui est mise. Utilisée au Japon en Voilà. Europe. Mais derrière, vous avez quand même cette édition écrite en japonais. Vous voyez? Qui peut dire que c'est aussi la version japonaise, peut-être une deuxième édition ou un truc comme ça, je ne sais pas. Mais on a le choix. Et du coup, je préfère la version japonaise qui est plus colorée. Du coup, là, je sais pas. Mais je comprends pourquoi ils ont fait ce côté ocre, du coup. Mais sachant l'histoire, je comprends pourquoi maintenant. Voilà. J'en dis pas plus pour ceux qui veulent le lire. Mais je comprends Ok. pourquoi maintenant il y a cette couleur ocre. Voilà. J'en dis pas plus parce que c'est vraiment le petit truc de l'histoire à la fin. Ok, bah on va, en tout cas, ça m'a l'air bien pour ceux qui s'intéressent. On peut rendre hommage à Leiji Matsumoto et dire aussi une réalité que le manga est très sympa, très bien, mais ce n'est pas non plus ce qu'il a fait de De mieux. mieux, Voilà. d'accord. Ouais, mais en tout Non, cas, c'était pas très connu, c'est pas donc une. allez, c'est intéressant d'exposer C'est une très idée de intéressant. jeu comme ça. C'est C'est mieux intéressant que. visiblement. Tout à fait, c'est que de ressasser des séries qu'on connaît, même si on peut en parler Ce beaucoup. qu'on va faire aussi, on va le faire Voilà. aussi, mais voilà, du coup. Alors, nous allons continuer dans. Voilà. Alors, deuxième news, donc les Bitoman 14. Donc, Oui, c'est ça.
Je t'en prie, Rao. Ah, il faut avoir la référence, hein, parce que Bah tu oui, bien lances ça sûr, comme sinon. ça, hein, tu lances ça comme ça, mais les gens, pourquoi Ah ils bah disent oui, ça, les con, jeunes, là, va? nos jeunes qui sont dans. Voilà, il faut savoir que dans Beatman 14, nous avons donc des Les Interstellar, Daft Punk qui apparaissent. Daft Punk, ouais, Daft Punk, ouais, qui apparaissent donc voilà dans. Ah bon. Regardez les Beatman 14, vous comprendrez, c'est sur toutes les bonnes plateformes. Je t'en prie, Rao, c'est ton moment, vas-y. Donc, on va parler donc d'une œuvre qui a permis un petit peu le retour de Leiji Matsumoto sur le devant de la scène internationale. Donc, il s'agit d'Interstellar 5555. Donc, Je pas. un jour, tu regardes la télé, t'entends du Daft Punk et tu vois un animé qui sert de clip donc pour One More Time. Ben, qui ressemble beaucoup à ce qu'on connaît de Leiji Matsumoto. Hein. C'est bon, le truc est clair et net, hein, on ne peut pas se tromper. Mais au début, on croit que ça va être qu'un seul clip qu'ils ont mandaté Leiji Matsumoto pour faire juste le clip de One More Time. Et c'est tout. Et puis plus le temps avance, plus les titres de Daft Punk commencent à dérouler dans les médias, à la télé, etc., dans les clips, plus tu comprends que en fait, ben non, c'est pas que One More Time. Et tu finis par comprendre que ça va être toutes les tracks, en fait, de l'album Discovery, puisque c'est adapté de l'album de Daft Punk Discovery, qui vont être adaptés sous façon d'animé, et qu'en fait, mis bout à bout, bah, ça fait un moyen métrage. Tout simplement que tout est imbriqué, c'est pas juste des clips à droite, à gauche, ça va être vraiment un film musical dans son ensemble. Donc moi je suis bouche bée hein, quand tu commences à découvrir le premier, hein, le deuxième, puis taf, puis t'arrives à fa Better, Faster, Stronger, tu dis ah ouais, ah il y a une histoire en fait. Une histoire qui est très sympathique. Il n'y a aucun dialogue, mais c'était pas nécessaire. On comprend tout entre les paroles des chansons et ce qui se passe à l'écran. Tout est compréhensible parfaitement. Donc il y a une vraie histoire. Donc le pitch, c'est un groupe d'extraterrestres, un groupe de musique extraterrestre qui font de la tellement bonne musique que un producteur terrien décide Véreux. de les kidnapper. Voilà. De quoi? Véreux. Véreux, Véreux, oui, bah là, oui, c'est clair que il si on est dans le Phil Spector là, tu vois, a au niveau profil. Donc, ils décident de les kidnapper. Et puis voilà, bon, j'en raconte pas plus parce que bon, c'est accessible facilement, Interstellar 5555. Donc, je conseille à tout le monde, mais même si vous n'êtes pas hyper fan de ce que fait Daft Punk, ben, premièrement parce que leur son est bon quand même, il faut le dire. Et puis de deux, Discovery est parce que génial. Ça vieillit pas. bah, Non, ça de vieillit quoi? pas. Ça vieillit pas. Oui, ça vieillit pas. Et puis de deux, visuellement, c'est super, quoi. Enfin, je suis étonné que c'était vraiment très étonnant qu'un groupe de musique français ait pu organiser, enfin, ait pu être à la base d'un projet comme ça, en fait. Bah, ils étaient fans. C'est. Ils étaient fans Voilà. de Albator, Galaxy Express. Évidemment. Et ils avaient. Oui. Oui, lors de la conférence de Leiji Matsumoto à Japan Expo en 2019, justement, il y a eu cette question qui est venue par rapport à la collaboration de Leiji Matsumoto sur le film Interstellar. Tout bêtement, il a fait bah, des gens qui sont venus, ils m'ont fait on voudrait faire ça. Il a fait bah, pourquoi pas. Et puis, il s'est retrouvé à mettre la main dedans. Et puis il s'est retrouvé au fur et à mesure à être dedans, 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 dedans. Jusqu'au cou. Mais Il l'a réalisé, ça, c'est lui qui l'a réalisé. non, 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 pas du tout. non, non, il a pas réalisé, mais tous les dessins des personnages, character Ouais, design, c'est lui, hein, c'est le oui, character ça. work en fait, le character designer Tout le proprement dit, caractère. c'est le Ok. character designer de Naruto, là, je sais plus comment il s'appelle. Mais c'est aussi une autre des raisons, je pense, que Leiji Matsumoto à accepter, c'est assez simple, c'est qu'un, il aime la nouveauté, il a toujours aimé la nouveauté, il aime le progrès si ça, si c'est pas au détriment de la nature, ou il aime les. Voilà. Il a aimé le progrès, il a jamais refusé le progrès.
Ce qu'il a toujours refusé, on le verra bien quand Rao fera son explication tout à l'heure, c'est le progrès au détriment de l'humanité et de la Terre. Je pense que c'est Rao qui en parlera le mieux tout à l'heure. Oui, probablement. Et donc, et c'est ce qui a pas mal guidé son œuvre. Et c'était un écologiste passionné, mais il n'était pas écologie pour tout. D'accord. Voilà. Donc, Ok. en tout cas, voilà, c'est une bien belle œuvre. Moi, personnellement, toute la partie vers la fin qui correspond au titre Face to Face me fout tout le temps la larme à l'œil. Je ne peux pas m'empêcher d'à moitié chialer sur cette séquence. Comme quoi, c'est très émotif, malgré qu'il n'y ait aucun dialogue. Ils ont transmis beaucoup d'émotions. Donc, je crois que dans les réalisateurs, il me semble qu'il y a Kazuo Morishita qui a co-réalisé avec d'autres. Et le character designer, je pense que c'est le character designer de Naruto, donc j'arrive jamais à me souvenir de son nom. C'est Nishiteru? Ouais, je pense. Et C'est Tetsuya Nishio. Tetsuya Nishio? Ah, Le caractère designer de Naruto, c'est ça. ouais, mais il me semble que c'est lui qui a œuvré là-dessus. Donc, Leji, lui, il a fait le character work, donc toute la charte graphique préparatoire. Qui fait que bon bah, de toute façon les animateurs et les character designers au Japon ils connaissent le style, enfin c'est un style que tout le monde a pratiqué hein, Quand donc tu regardes sur pas jamais de Twitter, problème hein. quand tu regardes sur Twitter, tu vois le nombre d'animateurs, de mangaka qui disent c'est une perte énorme. J'ai commencé le manga et c'est aussi le cas de Sadamoto. J'ai commencé le manga par Sadamoto qui a fait un message super émouvant où il disait Il y a quand j'étais magnifique petit, ça. je dessinais, je dessinais, je dessinais, je dessinais, je copiais, je copiais, je n'arrêtais pas de copier Leiji Matsumoto pour arriver à dessiner comme il se faut. C'est une grande perte. Voilà. Donc Ah oui, c'est mais de et c'est tu as toute la génération que pour beaucoup on a notre génération qui adore cette génération qui adore ça, mais enfin, la génération en dessous de nous qui toute la ces character designers, ces mangaka sont tous mangaka ou character designer ou animateur parce qu'ils ont vu le travail de Leiji Matsumoto pour beaucoup. entre autres. Quand tu vois la vague sur Twitter, enfin moi en tout cas sur les 500 personnes que je suis professionnel, quasiment tous, on va dire à 80%, c'est parce qu'ils ont croisé le chemin de Leiji Matsumoto étant enfant, qu'ils sont aujourd'hui dans le monde de l'entertainment animé manga. Voilà. Et pour reprendre ce que tu dis, là, il y en a qui ne comprennent pas trop, en fait, cet engouement, enfin, cette manière où on est assez triste de ce départ, hein, qui ne pouvait qu'arriver, hein, malheureusement. Mais on est quand même en droit, je pense, de dire qu'on est profondément triste parce qu'il nous a marqués, enfants, par ses histoires. Alors, en animation, certes, on n'a pas lu les mangas réalité de Leiji Matsumoto avant nous, on n'a eu que les œuvres animées. Mais on a reconnu, enfin, on connaît du coup d'où vient cette écriture, cette nostalgie entre guillemets, cette mélancolie qui ressort, encore une fois, je parle de mélancolie, de ses œuvres. Et ça nous a touchés, enfants, tout simplement. Les histoires racontées avec la voix off dans Galaxy Express, par exemple. Moi, j'étais moins fan d'Albator 78. 78, j'étais moins fan. Voilà, c'était parce que peut-être à cause de la version française, voilà, musicalement, tout qui était refait. Peut-être que c'est à cause de ça, parce que si je l'avais vu en japonais, ou enfin, tout au moins en version originale, nickel, T'aurais pas j'aurais pu peut-être eu comprendre un. t'aurais peut-être pas pu comprendre à ce moment-là. Mais j'ai adoré Albator 84. Je suis Oui. très, très Ah, fan c'est mon top d'Albator 2, hein. C'est 84. Bien sûr. qui Dans soit mon top 2 avec léger. Cobra, hein, Oui, cette qui série. soit Hein. léger scénaristiquement, je sais pas, c'est beau, c'est superbement animé, même encore aujourd'hui, je trouve que c'est quand même assez Ça n'a chouette. pas vieilli, ça n'a pas Ça n'a pas tellement beaucoup vieilli. vieilli. Non, ça n'a pas beaucoup Mais on est vieilli. tous d'accord Un peu, mais voilà, c'est on est pas. tous d'accord sur ce constat-là, hein, honnêtement. Ah, mais c'est au même niveau que Cobra pour moi. C'est vraiment Oui, mon top 2. C'est vraiment mon top 2 de série. C'est intemporel. Ça on vieillit n'est pas pas en parce que train de déjà, pleurer c'était en sur. avance. C'était Notre déjà très en nostalgie du avance. passé, on a su reconnaître assez tôt l'univers là-dedans de science-fiction, certes,
Mais les histoires qui sont racontées, surtout à Non, mais travers tout. Galaxy Express, qui reprend et dont le Galaxy Railway reprend très bien le principe, avec une voix off qui raconte un truc Voilà. et qui conclut pour expliquer, voilà. Et c'est, on est dans cette même type de narration et ça a fait plaisir d'avoir cette série-là à l'époque à nouveau en version française en plus et en VO, en DVD chez Déclic. Mais voilà, c'est quelqu'un qui nous a touchés. Voilà. Parce que La VO d'Albator l'histoire, 84 est très bien, elle est au-dessus, elle est au-dessus. vraiment au-dessus, ouais. Ouais. Arcadiano, Hachin. Enfin bref, on va enchaîner peut-être parce Exactement. qu'on Allez, doit parler de choses. alors Donc en tout cas, c'était à peu près tout moi pour Interstellar on attend une version 4K, on 5555 sait et. jamais. Ouais, ah oui, c'est ça, version 4K, même HD, un truc en Blu-ray, s'il vous plaît. Le Les DVD gens est du horrible. Blu-ray, ça mérite. L'encodage Interstellar du mérite. DVD est Et horrible. je pense que, connaissant la fan attitude du Daft Punk, c'est pas impossible qu'ils sortent justement une version, Ça aurait pu je sortir pense, depuis longtemps. Hein. remasterisée. Ouais, s'il vous plaît, Daft Punk, on sait que vous êtes Parce que séparés, ça mais. fait... On sait que vous nous écoutez, mais... Ouais. Non, non, mais en tout cas, on sait que vous vous êtes séparés, mais là, c'est le bon moment. Réunissez-vous juste, sortez-nous ça. Voilà, maintenant que Leiji Matsumoto est parti. Ils ont pas besoin de refaire de la musique, hein. On demande juste de ressortir une bonne un C'est ça, Blu-ray. de Voilà. mettez-vous pour que ça sorte dans Exactement. une qualité acceptable pour ce que c'est. Voilà, merci. Ouais, Parce allez, que on va l'édition DVD est continuer horrible. avec Emma, ainsi, notre amie Emma qui est toujours en avance, surtout, avec The Cockpit. Est-ce que tu veux que je te rappelle quelque chose qui s'est passé il y a un mois et demi où il y a quelqu'un qui est arrivé vers 8h30? D'accord? Alors, bon, ok. Oui, mais c'était moi parce que j'avais fait la fête. Bon, Bon, allez, ouais. vas-y, je t'en Alors, prie, The Cockpit. j'ai d'abord demandé à Simon de mettre les images du manga de The Cockpit. Et alors, je remercie Triple Night et Julien Pirou. Qui a mis sur son site ces images. Donc d'abord, je remercie Julien, je vous recommande très fortement son site triple9.fr, qui est la référence de Leiji Matsumoto en France et qui est l'une des références mondiales aussi, Julien Pirou. C'est vraiment magnifique le travail qu'il a fait autour. Je lui rends hommage aussi à Julien parce que si on a aussi du Matsumoto, c'est parce qu'il a été. Ouais, ça c'est génial. Si, je les ai aussi. Si on a eu la chance d'avoir du Matsumoto, c'est aussi grâce à Julien qui a su faire énormément de pressing au niveau de Canet en disant il faut que vous fassiez. Que vous fassiez. Donc, merci Julia, parce que si on a une version manga, c'est en partie aussi grâce à toi, même si c'est surtout grâce aussi à Kana et à tous ses fans, dont je pense à Christelle et à tous. Sans oublier bien sûr notre cher Jérôme Alquier qui a fait une super version aussi Oui. d'Albator, Ouais, je l'avais qui rend oublié de hommage. prendre. Ouais, big up à Julien et big up à Jérôme aussi. Donc maintenant, je vais vous parler de The Cockpit, qui, nous, on le connaît surtout pour son animé. Alors par contre, cette image-là, elle n'est pas The Cockpit, mon cher ami. Ah bah excuse-moi, j'ai C'est dans un cockpit, normalement. mais c'est pas The Cockpit, mec. Voilà, Et pourtant. c'est parce que c'est sur l'article de The Cockpit, tout en bas, Ah, et peut-être, c'est pas ouais. très En grand. tout cas, moi j'ai pris Voilà. des images. Non, ouais. Je t'avais mis le lien pour référentiel, pas pour que tu puisses. Pas grave. Et puis, juste 2 secondes, big up aussi à Hiroto Shisano qui a largué une illustration d'hommage aussi, parce que j'ai vu celle d'Alquier aussi, etc. Et Sano, il a fait une de ses bombes. Et voilà. Il y a aussi Eguchi qui a fait un Yonkoma qui était magnifique, où tu vois Leiji Matsumoto qui est en train de dessiner. Tu as Metel qui arrive derrière et lui fait c'est l'heure, la boucle du temps se termine, il faut y aller. C'est ça, Et non mais. elle lui donne la main et ils partent tous les deux. Il y a eu des choses, en tout cas, voilà. Et de très très jolies choses sur Twitter. Vraiment, pas toujours facile à voir. Donc, The Cockpit, The vas-y. Cockpit, donc nous on connaît The Cockpit essentiellement pour l'animé. L'animé qui était sorti chez Kazé à l'époque en Ouais. cassette vidéo et ils avaient fait un très bon boulot, il faut dire, même pour la traduction, elle était très très bien réalisée à l'époque. Alors, c'est en trois parties. Je vais parler d'abord de l'animé
parce que le manga n'est pas sorti en France, malheureusement, puisque ça fait partie des récits de guerre qui s'appellent aussi The Cockpit et The Cockpit Legend pour le manga. Donc moi, je parlais plutôt de l'animé, parce que c'est ce qu'on connaît ici. Donc c'est en trois petits épisodes de 20-25 minutes qui sont réunis sur cette trilogie qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. On a Vol dans les cieux qui se passe en Allemagne 45. On a l'escadron Fleur de cerisier. Donc, vous vous doutez de quoi je parle, c'est au Japon en été 45. Et on a les soldats motards qui se passent. Alors, ils disent que c'est dans les Philippines, plus exactement, excusez-moi, c'est sur une des îles des Philippines qui se passe en automne 44, au moment où les Américains reprennent possession du Pacifique. Alors, Vol dans les cieux, donc en Allemagne, on se retrouve avec Reinhardt, qui est un pilote et scientifique. Alors, la notion est très importante parce que c'est un scientifique atomique. Et il a comme mission de. On lui demande après il a simplement, il s'est fait abattre. Et sauf qu'au lieu de se crasher, son avion s'est posé. Son avion s'est posé et ça a été un peu mal vécu du côté allemand. Donc, sa mission suivante est de protéger le transport d'un avion. Et cet avion va transporter quelque chose. Qui est assez important vers la base de lancement des V2, des missiles V2. À savoir que ce premier épisode est déjà très touchant, mais aussi on remarque elle est magnifique, hein, la demoiselle qui est à l'intérieur, qui est vraiment. Vous verrez l'image, hein, je l'ai mise par. On remarque. Le trait typique pour les jolies femmes aux cheveux longs, blonds, à la Maïtel. Maïtel, qui, en 2017, recouvrait les rames de train de la Seibu Ikebukuro. Oh là, Juste c'était pour beau. information, c'était super beau. Tu Les étais très images. content de monter à l'intérieur. Tu étais très content de monter à l'intérieur. Mais il y a aussi une raison très, très simple. C'est que il faut savoir que quand tu imprimais ton certificat de résidence de Nerima, tu avais un dessin en sous-impression de Leiji Matsumoto, puisque Leiji Matsumoto vivait à Nerima. C'était D'accord. assez comique d'un certain point de vue, parce que pour aller chez lui, tu allais à une gare, je ne dis pas la gare, parce que bon, ça ne sert à rien que les gens essayent d'y aller quand ils iront au Japon, et tu disais juste au chauffeur de taxi, je vais chez Leiji Matsumoto et t'y amener. Ah ouais, carrément. Tu donnais pas l'adresse. Il était connu comme le loup blanc, quoi. Ça, c'est Ouais. Il y a certains auteurs, c'est comme ça. un gosse. Donc, lui, tu arrives à son atelier. Son atelier très marrant. Et pour Jean Cockpit, son atelier, dans la salle d'attente, c'était une chaise de la classe affaires de All Nippon Airways, la compagnie Très marrant. japonaise. C'était très très marrant. Et puis, sa salle de réunion, il y avait la photo du globe terrestre depuis la Lune. Donc, c'était pas mal du tout. Franchement, c'est super beau. Les photos que vous avez pu voir avec plein de personnes, avec la Terre en fond, c'était sa salle de réunion. Oui. Donc, ensuite, le deuxième, donc ce premier épisode est très très touchant. Je vous dévoile pas ce qui va se passer par là. La fin, mais les choix ont été faits par Reinhardt sont importants pour la suite de la guerre. Mais sont... Alors, si je peux me permettre, parce que cet épisode-là, il avait quand même été sujet à controverse. Oui, Mais si on alors peut il est. revenir peut-être après que tu aies fini Oui, de parler des jeux. n'oubliez pas, chers amis, que l'un de nous doit partir à On doit 7 h. partir à 9 h. Oui, Il je vais essayer est d'aller. plus, Je vais essayer d'aller. je crois qu'il est plus de 9 h. Il est 9 h 02. Voilà. Je vais essayer d'aller un peu. J'ai essayé d'aller un peu plus vite. Merci Simon, désolé Yota. Voilà, c'est pas grave. Donc oui, il y a eu une controverse, on en reviendra juste après que j'ai fini les deux autres. L'escadron Fleur de Cerisier, c'est sur les kamikazes. Sauf que il faut savoir que l'escadron Fleur de Cerisier a vraiment existé.
au Japon, il a vraiment existé, et c'était le premier escadron à utiliser les nouveaux Mitsubishi qui allaient à plus de 1 000 km/h, des roquettes. Ouais, des Et roquettes immenses. ils allaient se foncer sur les navires américains. C'est les premiers vrais kamikazes, on va dire. Donc l'escadron Fleur de Cerisier, sauf que c'est l'histoire de un. Il n'a pas pu s'éjecter de son avion. Il y a eu un problème. Parce qu'on est dans l'avion, il est éjecté comme ça, et ensuite il fonce sur sa cible comme un missile. Sauf que dans le missile, il y a quelqu'un qui pilote. C'est un drone avec un humain à l'intérieur, on va dire. C'est ça. Donc c'est son malaise par rapport au fait qu'il a survécu, alors qu'il n'est pas censé survivre, mais c'est aussi son malaise par rapport à ceux qu'il laisse derrière. Et c'est le thème général de ces trois, c'est on enlève le futur de nos jeunes, la guerre c'est immonde, et on n'a jamais de limite dans nos atrocités. Ça, c'est les trois points qui tournent sur les trois épisodes. Et le troisième épisode, c'est Soldat Motard. Et c'est l'histoire de trois personnages, puis tout d'un coup ils sont deux, on ne sait pas trop pourquoi, enfin, de Utsunomiya et Kodai, qui sont de première classe, qui sont sur une île, une île de l'archipel des Philippines. Faut savoir qu'il y a eu beaucoup de combats assez sanglants là-bas. C'est là-bas que les Américains ont utilisé les premières fois les lance-flammes. Contre les terriers japonais Et vous les déloger, ouais. pour les déloger, et même mieux si possible, entre guillemets. Oui, bien sûr. On a aussi la première fois l'utilisation des bonbons napalm, etc., etc. Bon, il faut savoir que sur cette partie-là, alors que je vais me permettre de spoiler la chose, mais bon, sur l'histoire en elle-même, ça ne gêne pas. Donc, il y en a un qui vient demander de l'aide pour l'aéroport qui est sous le bombardement américain au niveau du quartier général qui vient d'être bombardé. Il ne reste plus que un soldat et les autres. Et ils décident de se voir. Alors, ce qui est amusant, c'est que le soldat qui reste, c'est souvent comme ça que se représente Neji Matsumoto. Je vous rappelle juste que pour tous les récits de guerre qui ont été faits de Leiji Matsumoto, il s'inspire surtout des récits que son père aviateur pendant la Deuxième Guerre lui a fait. Je vous rappelle aussi que par rapport aux avions, le grand-père de Leiji Matsumoto fait partie du premier escadron d'aviateurs japonais qui est revenu de France. Puisque c'est les Français qui ont appris à piloter au Japon. Le premier Rappel aviateur, de ouais, Miyazaki avec son film. voilà. Donc, et les premiers aviateurs, donc c'était dans la famille de Leiji Matsumoto, et c'est pour ça que il devait devenir aviateur lui aussi, pilote, mais malheureusement à cause d'un problème aux yeux, il a pas. Oui, Rao. Ouais, bah moi je voulais un petit peu revenir parce que sur quelque chose de global, et ce serait bien que j'aie tes lumières par rapport à ça, parce que tu connaissais Eiji Matsumoto, c'est que par rapport au premier sketch de The Cockpit ou par rapport à une partie du film d'Albator 84, J'allais le dire. parfois il donne Eiji Matsumoto, moi, m'a parfois donné l'impression d'une sorte de fascination malsaine pour le nazisme. Ouais, alors ça Et c'est en vérité, ça m'a ça toujours c'est mis très mal à l'aise, oui, à vrai dire. oui ça, alors ça en vérité c'est une mauvaise Pas le lecture. nazisme. C'est une mauvaise lecture parce qu'en vérité c'est une critique très forte de la déshumanisation des hommes en temps de guerre. Il a jamais été fasciné par le nazisme. Il a même été dégoûté. Son père qui a fait la guerre était vraiment justement assez contre toutes ces idées et lui aussi. C'est un humanisme profond. C'était un humaniste profond. Pour avoir très longtemps parlé avec lui en off, je peux vous dire que
Il aimait l'humanité, mais il n'hésitait pas à montrer aux yeux de tous L'atrocité, la les dégueulasserie, défauts. Oui. je dirais la dégueulasserie Oui. que c'est être l'humanité. Oui, Donc, mais en fait, moi, si tu veux, ce qui m'a un peu gêné, c'est que finalement, l'ancêtre d'Arlok, qui est pilote dans la Loute Va-Feu, il a l'air quand même très empathique avec lui. Là, tu as un Reinhardt oui, mais supposé Reinhardt, stopper, enfin, tu vois, stopper le lancement de quelque chose, tu vois, un petit peu alors, par magie. Enfin, non, c'est non, un peu bizarre, c'est ça. pas par magie, Contexte, hein. non, non, il faut pas oublier aussi que ça a été fait en 75 déjà ce manga. Le contexte est un peu différent, mais Leiji Matsumoto a toujours été un profond humaniste. Donc, non, il a toujours jamais supporté les théories et autres, et ni fascination en proprement dit. Mais c'était parce que, du point de vue japonais, parce que ils n'ont pas été obligatoirement éduqués en sachant ce qu'a fait même les Japonais en Mandchourie, sa génération n'a jamais su vraiment, la génération suivante l'a su, mais n'a jamais su vraiment les horreurs qu'ont fait les Japonais en Mandchourie. Et donc, pour sa génération, ce qui exprimait le mieux l'horreur de ce que peuvent faire les humains, c'était les nazis. Donc, tu as l'impression d'une empathie parce que souvent, il va plutôt montrer des personnages qui sont face à un choix cornélien, en soi, hein, de choisir entre ce qu'on leur demande de faire et son humanité. Et donc, l'empathie qu'il va recevoir pour ces personnages, c'est l'empathie pour leur humanité. Et donc, tu vas avoir l'impression qu'il a l'empathie pour ce personnage, c'est pas l'empathie pour le personnage, c'est il va mettre en avant la partie humaniste. C'est pour ça que Reinhardt fait un choix cornélien à la fin de. Et pour beaucoup, alors il faut savoir quand même que des historiens récemment, et c'est ça qui est assez entre guillemets marrant, ont prouvé que grâce à une des opérations qui a été faite par l'OSS en 1944, ça a retardé le plan allemand sur bon, ceux qui ne veulent pas écouter, bouchez ra rapidement vos oreilles, la bombe atomique. Ça a retardé de 2 ans les travaux sur la bombe atomique allemande. Voilà, voilà, j'ai fini le spoil. À te Désolé, boucher j'ai des des mots. oreilles, mais en gros, ce qu'il faut bien voir, c'est que ce qui est bien aussi, je trouve, moi, de mon point de vue, c'est que il place ses héros pas forcément du bon côté, Ouais, c'est ça qui est mais on bizarre voit aussi. leur conflit intérieur. On peut C'est commencer, tu ça. sais, tu es glorifié, c'est l'armée, c'est ton pays, tu es dans ton pays, tu Oui. défends ton pays ou tu fais partie du pays, donc tu Dans te bats. Soldat Motard, tu vois très bien. Dans Et Soldat tu Motard, tu vois vois. très bien. Et oui, et tu vois, et eux, après, ils voient l'horreur de la guerre. D'ailleurs, dans le film d'Albator 84 que tu cites, finalement, il y a aussi cette horreur de la guerre qui est ressentie par Herlock, enfin, l'ancêtre de Herlock, et qui veut arrêter. Hein. Ça se sent bien. C'est en Ouais, Suisse, tu. hein. C'est en Suisse, je crois, il me semble, de Oui, c'est un mémoire. Suisse à l'époque. Voilà. Sinon, juste pour dans l'escadron Fleur de Cerisier, moi, ce que je trouve génial, c'est la phrase de l'Américain à la fin, qui fait l'homme est vraiment capable des pires horreurs. Bon, À la fin après, de l'escadron, et c'est l'homme un est vraiment Américain qui capable l'a des pires dit. horreurs. Et Bon, c'est un après, Américain qui le dit. Mais c'est ça qui est marrant. Il le non, fait mais bien sûr, exprès de le mais. faire dire. Mais l'homme est vraiment, que ce soit notre ennemi ou nous-mêmes. Pourquoi? Parce que juste au moment où il reçoit sur son navire, le commandant du porte-avions reçoit un kamikaze qui détruit son navire, il y a quelqu'un qui rentre et qui fait, et nous sommes le 8 août 1945, une bombe atomique a été lâchée sur Hiroshima. Et là, il dit cette phrase. Voilà. Donc, Pour c'est une conclure. critique générale. Pour conclure, c'est une vraie critique de la guerre. C'est un film à voir qui n'est pas facile d'accès aux enfants parce qu'il faut un certain bagage quand même culturel et historique pour encore plus apprécier. Moi, je le recommande aux personnes qui ont plus quand même de 14 ans.
Pas parce que c'est dur à voir, mais parce que c'est dur à apprécier pour la valeur même. C'est plutôt Même adulte, si, c'est plutôt adulte le voilà, concept. entre à partir de 14 ans, je pense que c'est bon. Bon, après, il y a Pour. Kawajiri hein, sur le premier sketch, de ce que je me Et souviens. t'as pas que Kawajiri, t'as Toshiro Kawamoto qui est au character design. Oui, ben oui. Eh oui. Il est beau. Kawamoto, qui est Oh là. celui, qui est celui de Cowboy Bebop, Comme je me rappelle plus. Gundam 00483. Gundam 04. Tu Et vois le plein d'autres personnage choses féminin encore. comme il est Noragami. magnifiquement dessiné. On voyait Ouais, une belle tu sens la pisse. vague Kawajiri Alors, dans ce film, bon. quoi. Eh ben, Allez. allez, on va continuer parce que là, Ouais. ben moi, je voulais m'occuper des enfants. Hein. Vous savez, j'ai une vie, moi. Alors, Allez, alors. moi on Aussi. va parler, malheureusement, on va le faire un peu brièvement parce que Ouais, bon, parce que là, on là, le est truc est connu un peu de malheureusement. tous. Alors, on peut pas aborder Leiji Matsumoto sans aborder voilà, Galaxy Express Exactement. 999. Alors, faut savoir que moi qui n'achète pas spécialement tous les volumes d'un manga, celui-là, c'est un des rares que j'ai essayé de faire en entier. J'ai pas réussi, mais c'est prévu qu'éventuellement je me prenne des tomes et que je le fasse en entier. C'est l'histoire Galaxy Express. Hein, c'est dans un monde où tu as des trains qui relient les galaxies et l'espace. Ben, tu as le petit Tetsuro qui voit sa mère abattue par des humanoïdes sans cœur et sans âme. Voilà, en fait, des gens qui sont devenus des riches qui ont accédé plus ou moins à l'immortalité en devenant des êtres mécaniques. Donc, il voit sa mère abattue, ça le traumatise. Et quelque part, lui aussi, ben, il veut devenir lui aussi immortel. Donc, il suit la jeune Meitel à bord du Galaxy Express dans ce voyage pour être immortel. Et bon, ben, si tu veux, pour faire court, moi, ce qui m'a un peu bouleversé, alors déjà, il y a des choses très bouleversantes quand Tetsuro découvre l'univers en fait qui l'entoure, découvre les gens qui peuvent être ou des immondes salopards ou des gens incroyables. Je pense à cette personne, à un de ces personnages qui a l'air agressif et une sorte de pirate, je sais pas quoi. Et finalement, il découvre qu'il T'as des gère une sorte enfants? d'orphelinat. Ouais. Voilà, donc ce qu'il fait, c'est pour nourrir ses orphelins, c'est pour voilà, donc ça m'avait beaucoup marqué. Malheureusement, je me souviens plus du nom de ce Et personnage. se Alors qu'à sacrifier la, pour eux, me donner oui, des c'est ça. enfants, ouais. Alors qu'à la base, tu peux croire que c'est encore une de ces ordures. Bon, c'est un peu western, hein, comme truc très train genre américain qui parcourt le Far West. Il y a une ambiance un peu comme ça. Donc tu peux t'attendre à ce que ce soit une énième ordure et finalement non. Et finalement, d'autres personnes où tu t'attends qu'ont l'air un peu bien propre sur eux se révèlent être des pervers narcissiques de vraiment horribles. Et ce que moi j'ai beaucoup aimé dans Galaxy Express, c'est que finalement ça m'a mis un peu un bémol à mon propre rêve d'immortalité en fait, où je me dis est-ce que réellement c'est une bonne idée en fait. Et je pense que Tetsuro aussi, voilà, au fur et à mesure du périple, commence lui aussi à se demander si le prix, en plus, le prix de cette immortalité, qui est la déshumanisation totale, en fin de compte. Ça me rappelle aussi hein, le pendant d'un épisode de Capitaine Flamme, de Capitaine Futur, où justement, qui s'appelle La Source d'Immortalité, et qui est aussi un petit peu, je trouve que c'est un petit peu Bien. connecté à tout Galaxy Express, où finalement, les humains qui ont accédé à ces sources d'immortalité. Alors déjà, c'est pas infini, il faut qu'ils aillent à la source tout le temps en boire. Donc il y a un côté critique de la drogue, etc. Et aussi, finalement, ils savent tellement plus quoi faire dans la vie qu'ils se mettent des balles, en fait. Donc voilà, je trouve que Galaxy Express, bah, là, c'est le sujet central. Et c'est très, très bien traité. Et moi, personnellement, voilà, ça m'a fait pas mal réfléchir. Voilà. Et ça, je pense que c'est peut-être l'une des plus les œuvres majeures de Leiji Matsumoto, peut-être si ce n'est la meilleure des œuvres de Leiji Matsumoto. Il y a le personnage charismatique des Hokkaido Harlock, tout ça, mais construction des histoires, des personnages, Galaxy Express, c'est, je pense, son œuvre
la plus mythique, je pense, de tout ce qu'il a pu Oui, créer. mais c'est voilà, moi, comme je disais, j'achète pas spécial, je cherche pas spécialement à faire des collections complètes de mangas, mais celui-là, si j'arrive à terme, j'en serais content. J'aimerais bien qu'il nous sorte le fameux collector, un peu comme ceux que je vous ai montrés. Il pourrait faire, mais ils l'ont toujours pas fait. Mais En peut-être tout qu'il y a cas, trop de les tomes, mais films, bon. de ce que je me souviens des films, ils sont très bien aussi. Ah Donc, oui, Taro. y a Albator, Captain Harlock, qui apparaît J'ai pas vu dedans. Eternal Galaxy Express, par contre. Ouais, moi non plus, mais en tout cas, le premier film et Sayonara, Oui, ouais. Sayonara, surtout. Ouais, il y Oui, a des choses Sayonara. dedans. Oui, ça aussi, j'ai bien aimé, moi. Sayonara, t'en prends plein la gueule, hein. Je Ah crois oui, que la clairement. fin, de ce que je me souviens, la bataille spatiale à la fin, je me suis pissé dessus façon film de Macross. Mais ouais. Il y a un Non, truc mais comme ça. Hein. Il y a un truc comme ça. Hein. Emma, vas-y, tu voulais dire quelque chose. Non, je disais juste que le manga a été sublimé par la série qui a été sublimée par les films. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Mais le manga aborde beaucoup plus de sujets qui intéressent. Qui intéressait, comme je disais, l'humanité face à ces dilemmes. Et C'est ça. c'est là que tu te rends compte aussi, dans le manga plus que dans l'animé, tu te rends compte vraiment de toute l'humanité, enfin cet amour de l'humanité de Neji Matsumoto. Justement, c'est moi je dirais que parlais tout à l'heure de dégueulasserie de toutes ces horreurs hein, et ouais, il suffit de regarder notre époque, hein, mine de rien, sans vouloir dramatiser. Il met quand même un point d'honneur à donner un espoir. On voit bien d'ailleurs à la fin du premier film de Galaxy Express, et c'est un espoir quasiment. C'est pas, enfin, y a toujours quelque chose. Alors, je ne connais pas toutes les œuvres de l'auteur aussi bien que. Bon. Et ça me donne cette impression-là. Il explique un peu ce qui mauvais côté de l'humain, mais il y a aussi le bon côté de l'humain. Il faut pas perdre espoir et Bah, c'est peut-être ça le meilleur côté de l'humain aussi. C'est le plus. et pas parfois du non-humain d'ailleurs. Oui, Ouais, bien sûr, bien sûr. peut-être Ce qui est ça. aussi intéressant. Rappelle-toi, la planète des glaces, c'est super cette Exact, partie-là. exact. La planète des glaces, là-dessus, est super. Sincèrement, ceux qui n'ont pas vu la série Galaxy Express, j'espère qu'elle va ressortir. Ouais, comme dit Parce Joe que. Lafrite, qui aura un truc intégral Enfin, avec la ouais. VO qui est très bien. Après La VOVF, VO. vous savez, il Bah, y a qu'une cinquantaine d'épisodes qui existent en français déjà. Donc, bon. bah, s'il y a un éditeur assez intelligent Ouais, pour mais faire là, sortir. alors, soyons francs quand même, la version française est de très très bonne qualité. Attention. Pour le Là, film, ouais, oui, c'est vrai que c'est mais. un peu. Ah, mais Bah, pour de la pour les série ou films, des je pense films? que c'était bien. Ouais, pour les films, ouais. Et la série aussi, hein, même si ils n'ont D'accord. pas fini. La version française, comme Harlock, soyons pas mauvais, hein, elle est de bonne qualité. Le problème, c'est que s'il devait la sortir en version française, la série, j'entends, ça serait compliqué. Parce que, y aurait, comme tu as dit, il y a la moitié de la série qui est faite. Ah, Il faut y aura un redoubler. sacré, Même pas la il y moitié. aura, il y C'est aura un tout. Hein. décalage Même pas la moitié. de doubleurs, je pense. Non, Bah, mais il c'est pas faudrait ça, c'est tout qu'il n'y aurait pas de redoubler, tout doublage, refaire déjà, à mon doubler. avis. C'est pas une série, malheureusement, qui sera intéressée pour faire. Enfin. En complète Intéressante. VOSTFR, alors, à ce moment-là, effectivement. Ouais, je Ouais, mais pense. c'est Si très ça bien devait aussi. sortir un jour, à mon avis, effectivement, mais il y a plus d'une centaine d'épisodes, hein, je crois, de Oui, je mémoire. sais. C'est 113. compliqué aussi à sortir une centaine d'épisodes en DVD ou en Blu-ray ou ce que tu veux. Il faut accrocher le client qui va 113, vouloir oui. regarder. 113. Excusez-moi du terme, un client, hein, parce que c'est des Oui, mais clients c'est pour ça, les oui. éditeurs, tu vois, qui aimeraient, mais si ça ne se vend pas, à perte. C'est un peu le problème des séries de Sentai et autres. Ils disent, ah, Et pourquoi oui. ça? Pourquoi les éditeurs ne vont pas? Parce qu'il n'y a pas le public pour. Donc s'il n'y a pas le public, les gens ne vont pas s'embêter à sortir des trucs que personne n'achètera. Imaginez les trois Le dernier pécos. tome du manga en France est sorti en janvier 2008. C'était le tome 21, si je ne me trompe pas. Voilà, il date Bon, après, de janvier 2008. si chez les Ricains, ils peuvent faire l'adaptation, mais en sous-titres anglais, ce sera Mais très ça bien aussi. existe, Ouais, hein. Ça existe, il me bah, semble bien. sûrement, bah, tu vois, Voilà. on pourrait éventuellement se rabattre sur le Ricain. L'édition Voilà. italienne, les Italiens, ils Ouais, ont mais non. tout. Enfin, bref, Alors, c'est.
T'avais quelque chose pour conclure, Rao, ou pas? Ouais, Forcément. voilà, non, moi j'en ai fini avec Galaxy Express. Alors aujourd'hui, mon cher Rao, il n'y aura pas de news oubliées. Donc, Ouais, bah bah non. non, 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 je non. pense pas que ça se prêtait à ça. Donc aujourd'hui, j'ai préféré. Et puis toi, t'as dû comprendre ça aussi. On va terminer par le jouet de la semaine parce que je pense que c'est. Je vais en Alors profiter. quand même on veut, Je t'en prie. on voudrait juste évoquer la saga de Captain Harlock, Alors, bah, quand même très qui c'est rapidement. T'arrives. qui veut s'y coller, justement? Rapidement, rapidement les mecs. Rapidement, Emma, peut-être? Simplement, Captain Harlock aussi fait partie des œuvres mythiques de Matsumoto Leiji. C'est celle qui nous a permis de nous faire connaître le Matsumoto Leiji en France. Via Albator 78 et Albator 84. On les appelle comme ça parce que c'est les années de sortie en France, Oui, complètement. c'est Et encore, je crois que encore, c'est 80 pour en fait pour Albator et ouais, 4 mais ils l'ont appelé les 78 Mais je sais pas donc pourquoi t'as 78. t'as Parce que Uchikai c'est Zoku l'année où ils ont Captain acheté. Harlock, ouais. Parce que quoi? Parce que c'est l'année où ils l'ont acheté, je pense. Ah C'est ouais. ça, donc Uchikai Zoku Captain Harlock pour la première série, Waga Senshu no Arcadia Mugen Kido Ah, SSX ça pour c'est ça c'est ça c'est voilà, pour Abba. Oh là Et là. Moi, on peut aussi justement, c'est ce que je parler montrais de Nibelungen. on, Voilà. voilà, l'anneau Nibelungen. d'Elivenungen, donc Harlock L'anneau de Saga. Nibelungen. Je vais Harlock apprendre. Saga, magnifique. Voilà, donc intéressant sur le manga d'Harlock Saga, donc l'anneau d'Elimelungen, c'est que Leiji Matsumoto fait des petites biographies sur les chefs d'orchestre qui ont joué du Richard Wagner, dont je ne sais plus son prénom, Furt Wangler, Oui, c'est qui a une ça. histoire où voilà, qui était le chef d'orchestre de l'Opéra de Berlin, il me semble, de l'Orchestre Symphonique de Berlin. Donc, qui a été mis de côté parce qu'il était juif, il a dû fuir aux États-Unis. Mais il parle aussi d'Herbert von Karajan, etc. C'est un petit add-on sur ce manga de l'anneau d'Nibelungen que je trouve qui est appréciable parce que finalement, Harlock Saga, j'ai aimé que moyen en réalité. L'animage, je l'ai aimé que moyen. Mais ce petit perk des petites biographies de chefs d'orchestre, je trouvais que ça apportait un truc vraiment très sympathique au manga donc de l'anneau d'Nibelungen. Et on peut parler aussi de Captain Harlock. Odyssée. Endless Odyssey Outside Legend, Je l'ai en bien DVD. sûr, et qui est le remake. En fait, c'est ce que Rintaro voulait faire à la base pour Albator 78. Donc, c'est sa version, c'est un peu la version Director's Cut. Voilà, Alors, c'est. j'en tiens parce que peut-être que du coup vous avez l'information, mais à l'époque, je me souviens d'un pataquès sur le fait que Leiji Matsumoto n'était vraiment pas content de cette œuvre-là, qu'il l'a renié carrément parce qu'on voyait excuse-moi, du coup tu vas peut-être plus m'aider, le machin des Juifs, hein, enfin l'étoile Oui, jaune. une étoile de David. L'étoile de David, excuse-moi, merci, dans les vaisseaux, enfin la représentation des vaisseaux ennemis, je crois. C'était pas Ouais, ça? mais non, c'est les tirs de laser, je crois. Enfin, tu sais, alors je ne sais plus d'ailleurs si c'était sur Mais est-ce que Endless c'est vrai Odyssey surtout? ou si c'était sur. Non, je C'était sur crois que c'était sur Endless Odyssey. DNA carré. Hein. Non, T'es c'était sûr sur que c'était Endless pas sur Odyssey. DNA carré? Non, là, Parce c'était une qu'effectivement, moi, histoire. je me souviens de tir où le gars tire et finalement, ça fait une sorte Ah bon? de cluster qui forme une étoile de David. Ah ouais? Donc, ouais, Bon, en si, tout si, cas, il me semble là, c'était l'avoir. surtout sur Endless Moi, je m'en Odyssey, ça, je souviens me pas. souviens Ouais. bien. Mais Si, bah, ça se retrouve. je sais pas si c'est vrai, cette histoire. Mais je crois que ça a été refait. Enfin, je crois que les studios ont refait le truc pour les sorties, pour D'accord. les C'est peut-être sorties pour ça qu'on n'a DVD ou pas, voilà, quelque on n'a chose comme pas ça. Il me discuté semble que ça a été après. refait. Ok. Mais effectivement, Leiji, maintenant, ouais, cette version dans Endless Odyssey, bon, c'est Yoshiaki Kawajiri qui est non, c'est même pas, comment il s'appelle? L'Odossoir, ah putain, Chronique de Buteru Yuki. Nobuteru Yuki, qui est au character design de voilà, donc c'est Oui. un truc très chouette. Maintenant, je me suis un peu fait chier quand même. Enfin, je m'attendais à vraiment un remake de 78 qui soit vraiment grandiose, et finalement, je trouve que ça a été un petit peu en deçà Bah, de il ce n'y a que je pas me eu. suis Enfin, attendu. le budget Voilà. semble conséquent, mais en même temps, ça manque un peu d'animation, je trouve. Ouais, mais c'est-à-dire, c'est passé mou, c'est un peu mou et c'est dommage, quoi. Ouais. Bah, c'est du Donc, Rintaro, hein. voilà, c'est Désolé, ça. hein. Et. Albator, corsaire de l'espace. C'est pour ça qu'il faut arriver à accrocher à cette série. C'est que il y a un rythme qui, Voilà, le rythme. C'est voilà, ça. qui. Et moi, j'adhère pas spécialement. Enfin, j'ai C'est toujours eu du ça. mal. Le rythme est lent, mais la scénarisation est excellente. Oui, mais Ouais, voilà. Après, ça tu as compense, le... mais c'est vrai que c'était un petit peu lent Mais et c'est très particulier parce qu'il y je a beaucoup de m'attendais à fans à mieux. l'époque, hein, de la série en France. Hein. Voilà. C'est juste que moi, j'étais déjà très très jeune quand t'es diffusé en France, c'était en 80. Je me souviens des verres, les verres à moutarde d'Albator, le corsaire de Bah oui. l'espace.
chez un ami, mais j'arrive pas à me souvenir d'avoir vu la série, La souvent série, c'est ça 80. où J'ai t'es certainement vu passé la à série, mais j'en côté. ai pas le souvenir. Les Par 20 contre, milliards à partir de de... Ah, 84, tout va bien pour moi. ouais. Et donc, T'es le plus jeune de nous tous, c'est pour Bah ça? voilà, c'est le plus jeune homme, le petit gars là. Et Ah donc, on peut là, parler ouais. rapidement aussi de Gun Frontier, Alors, Gun qui est Frontier, très Rose et rapidement, parce Harlock. qu'il y a. N'oublie pas qu'il y en a En pas. gros, c'est Ah ouais, j'ai deux Captain minutes là. Harlock Ah au ouais. Far West. Voilà. Voilà. Allez. Mais c'est très sympa aussi, Gun. Justement, Très à sympa. propos Ouais. d'Harlock, juste 2 secondes, bougez pas. Générique. Le jouet. J'ai mon jouet de la semaine qui a été coupé, je ne sais pas pourquoi, mais c'est pas grave. On reprendra ça la semaine prochaine, on verra bien. Bizarre. J'ai des problèmes Allez, de fais péter, PC. mec. Allez, justement, on va passer à un jouet, l'Arcadia. Voilà. Alors, la version Galaxy Express 999, j'ai été acheté il y a longtemps, en fait, pour être très Ouais, honnête. d'accord. Elle était toujours dans la boîte. Non pas que j'ai pas envie de la faire, mais j'ai pas eu le temps déjà. Alors, je suis pas très maquettiste, j'ai Un peur de faire des cinquième? bêtises. Pardon? Il y a un cinquième? Il est en... Alors attends, je veux que je vais pas te dire de Je crois que bêtises. je suis sur Amazon et Un là... 2500. Ah d'accord, parce que là je suis sur un 1500e à 97,72 € sur Amazon. Non, je crois que je l'avais pas... Je l'ai pas... Combien tu dis? Combien? Oui, Un oui. sur 1500, je sais pas comment on dit. Ouais, 1500, ouais. Alors, il est à 1500e. 97 €, on va dire. Ouais, il doit être énorme, celui-là. Ça, non seulement il 33 est beaucoup plus petit, centimètres, il est 33 beaucoup plus petit. centimètres. Beaucoup plus petit, ouais. En tous les cas, c'est vraiment la tête qui va avoir l'Arcadia Voilà, dans les voilà, trucs d'après. Hein. exactement. Alors, bizarrement, alors je sais pas pour vous, mais moi, c'est la version de l'Arcadia que je préfère. Bah, elle n'est pas trop différente. Je la trouve pas différente à l'œil nu de celle d'Albator 84, quoi, enfin de Tout à Nougat fait, mais TDSSX. moi je parle aussi par exemple de celle de 78 ou celle du film en Ah oui, elle 3D. est mieux. Moi aussi, C'est voilà. je préfère largement cette version. Voilà, je trouve que c'est la plus aboutie et peut-être que je vais me faire des ennemis, mais c'est celle que je préfère dans toute Moi l'animation en aussi. fait. Moi aussi, Honnêtement, moi aussi. j'ai pas réussi à trouver un vaisseau équivalent, que ce soit dans du Gundam ou dans d'autres séries, même Oui, Macross. oui. C'est d'autres univers, mais il y a quelque chose dans ce jouet qui me m'interpelle. Ah bah de toute façon, Macross, j'ai l'impression que cette série, le visuel de cette série aurait pas été ce qu'il était s'il n'y avait pas eu Leiji Matsumoto. Mais je Hein. Parce l'adore. Moi, que. c'est mon préféré. Ce vaisseau-là, c'est mon Bah, préféré. donc. Les autres, je les trouve moches par rapport à celui-là. Bah, en fait, l'autre J'adore. de 78, il y a un moment donné où il avait Redcon en tant qu'ombre de la mort, en tant que Death Shadows Oui, c'est ça. original. Et en français, Ils ça en donne avaient fait le quoi? Death Shadows. L'ombre de la mort. C'est ça. L'ombre T'as de dit la mort, c'était. Redcon, je sais pas quoi, là, ça veut dire quoi? Ah, Redcon, ça veut dire que ils ont rebricolé le passé de Captain Harlock pour dire finalement le Death Shadows. C'était Enfin, son premier. finalement, ce vaisseau-là n'est pas l'Arcadia. En vrai, c'était le Death Shadows. D'accord. Voilà. Et effectivement, l'ombre de la mort, c'était. Je crois que c'est dans 84 qu'on voit bien. Oui, Il a mais il n'est pas justement du tout rien la à même voir. tête. Oui, Exactement. c'est pour ça que Exactement. ça, ils ont skippé le fait de le Death Shadow de Albator 84 pour dire non, finalement, c'est celui de 78 qui est le Death Shadow. En tout cas, voilà, moi je voulais juste présenter ça, je pensais que c'était de bon ton aujourd'hui. Et Oui, formidable. puis voilà, je pense Je pense qu'on qu'on a... adore tous un peu Exactement. ce vaisseau. Il est magnifique. Allez, je vais... Alors, on arrive vers la fin, notre ami Yota qui doit partir. Donc, En urgence. je vais peut-être les laisser un dernier mot pour chacun, avant de parler peut-être de... la promo pour le... voilà Bah, j'ai même pas sorti de planning d'ailleurs pour ouais non mais Dojinbo. personne on a je crois qu'on était tous un petit peu chaos ces derniers Ouais, je jours crois qu'il y a un trou, on a un voilà trou là, donc voilà donc je voilà pense qu'il y a des émissions à retrouver. voilà il va falloir que moi-même je travaille dessus parce que Covid c'est pour ça d'ailleurs je tiens à préciser que la semaine dernière j'étais quand même assez dans mauvais état.
Donc c'est pour ça que j'étais pas. Voilà. Ah, peut-être bref. qu'on peut préciser qu'il n'y aura pas de. On n'est pas vieux, on est vintage ce mois-ci. Voilà, pour des raisons qu'on On ne va pas développer tout de va suite. le décaler pour le mois de mars. On Voilà. fera ça au mois de mars. C'est dans pas longtemps. Voilà. On verra bien si comment ça va se passer. Je te regarde. Voilà. Comme je n'ai pas le planning de Doshindo, je vais pouvoir le Bon, il va y montrer. avoir. Il me semble que Yann Kouza va faire le morning attack dimanche. Dimanche. Normalement, oui. Ouais, normalement. Ouais, On verra. J'espère en tout cas qu'il ouais. ira mieux. Voilà, bon, il ira Voilà, c'est bien. ça. Et normalement, il y aura un morning attack Voilà, dimanche. et on sera là Mais il a peut-être. décalé beaucoup de choses. Je crois que le Dojin Video Club Bah, un aura peu pas partout. lieu. En fait, toutes les émissions qu'il faisait en plus, il les arrête. Il ne fait que le Morning Attack. D'accord, bon, Voilà. bah, voilà. Il les arrête, voilà, certainement pour cette année, parce qu'il a des soucis Ouais, il a voilà, beaucoup de soucis. personnels. Voilà. Voilà, donc ça On peut pas fait. tout faire. C'est d'ailleurs, Tout à fait. c'est une des raisons aussi pourquoi il n'y a pas de. On n'est pas vu, on est vintage, en ce qui me concerne en tout cas. Non, mais Voilà. tout ça reprendra, vous inquiétez pas. Tout ça reprendra au Un fur et à jour, mesure voilà. qu'on Un stabilisera un jour, petit peu les choses. voilà. Voilà. Emma, toi, tu seras pas là la semaine prochaine, tu seras dans l'avion. Bah, le 1er mars, ouais, je serai dans Voilà. l'avion pour retour à la maison, hein. Voilà, avec plein de cadeaux pour moi, c'est gentil. Et non, non, pour toi tout Non, non, seul. non, non, Pour toi tout non, seul, en non, fait. non, je l'ai largué en chemin vers l'Israël. Ah, Yes, il m'amène tout, t'sais. C'est parti, t'es Allez, le attrape, bienvenu. attrape! Bon, allez, et puis bah, nous, on va se retrouver la semaine prochaine. bien Bon, bon, Joe Lafrite. voilà, j'ai toujours là. Voilà, et puis on. Restez jusqu'à la fin parce qu'on a préparé un ending Un spécial, truc. justement, que Voilà, les gens donc ne d'ici quittez pas, connaissent. c'est pas Voilà. terminé, voilà. Et on souhaite. Voilà, cette Bravo émission là. hommage, et voilà. Et merci. Ouais. Merci, monsieur Leiji, monsieur Salabada, Boto, et sensei. merci à Salabada, tous. ouais. Salabada, Bah, ouais, ouais. exactement. Et Salabada. merci pour tes œuvres. Merci, monsieur. Elles seront éternelles.